Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ah, demain, c'est un grand jour. Le Fama, le bâtisseur, le président Alpha Condé doit s'adresser aux militants et sympathisants du grand parti RPG Arc-en-Ciel. Maximum de partage. Mais déjà, depuis que la nouvelle a été donnée, il y a panique. Il y a panique. Vous n'êtes pas parti politique. Vous n'êtes pas parti politique. Vous dites que vous n'êtes pas contre les partis politiques. Demain, l'Assemblée générale du RPG, tous les militants, sympathisants, la mobilisation, partagé, Alia Fall Dion Lunyenin. Béwa siège la Sini. RPG Fama Damankanabo. Anna Bâtisseur. Mais nous tenons à alerter l'opinion nationale et internationale. Les gens ont la nostalgie de leur Fama. Ceux qui ont voté pour le Fama. On n'a pas dit d'aller au palais du peuple. On n'a pas dit d'aller au stade du 28 septembre, ils n'ont pas dit des lieux publics, mais on dit au siège du RPG Arc-en-Ciel. Ils n'ont pas dit d'aller au stade du 28 septembre, ni au palais Mohamed V, ni dans une mosquée. On dit au siège du parti RPG Arc-en-Ciel Abessia. Mori Kondé, dans sa Kourouma, et Mamadi Doumbouya même, le Kotigi. Déjà, nous sommes au courant de ce que vous êtes en train de préparer, que vous allez envoyer des gens pour aller infiltrer les militants du RPG demain. Et après, c'est pour dire, voilà, il y a eu pagaille. Non. On dit les sympathisants, les militants et les sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Ils n'ont demandé à personne d'aller. Ils n'ont demandé à personne. Voilà. Ok. Toi, Niema, je viens de te bannir. Je crois que tu n'as pas compris la leçon la dernière fois. Donc, ok. Toi aussi, André, quoi, tu es banni sur cette page. Voilà. Dieu merci. Moi, j'aime les idiots comme vous. Donc, ce qui va arriver demain, Mori Kondé. Mori Kondé, vous êtes responsable. Dans ça, vous êtes responsable. Mbrafolignene, vous n'avez rien à voir dans la rencontre de demain. Il y a plus de 30 ans, Doluye Séra, 40 ans, Doluye Séra, Alkodi, co-président Alpha Condé. Donc, si demain il doit s'adresser à ses militants, où est le problème? Vous avez le pouvoir, non? Gérez le pouvoir. Le président Alpha Condé n'a pas dit allez-y au stade du 28 septembre. Ils n'ont pas dit aux militants allez-y dans tel coin. On dit au siège. Les partis sont libres de faire leur assemblée générale. Où est le problème? Où est le problème? Donc pourquoi ça panique? Pourquoi ça panique déjà? Parce que vous ne voulez pas. Hein? Mais allez-y, écoutez le message. Depuis que vous avez fait le coup d'État, le président Alpha Condé n'a pas appelé quelqu'un d'aller manifester. Il n'a pas appelé aux gens au soulèvement. Où? Pourquoi vous avez peur? Mais ce qui va arriver demain, vous êtes les responsables. Nous sommes déjà au courant. Nous sommes déjà au courant du plan, d'après Dadis, du plan Machiavel. Ils veulent infiltrer des gens qui vont venir comme des militants du RPG pour venir semer la pagaille. Et c'est pour dire non, non, non. Et voilà, ils ont perturbé l'ordre public. Voilà, c'est fini. On va fermer le siège. On n'a pas demandé. Ceux qui n'aiment pas le président Alpha Condé, on ne vous a pas demandé d'aller. Tous ceux qui veulent écouter le Fama, tous ceux qui aiment le parti, on vous a demandé d'aller. Mais ceux qui n'aiment pas là, vous n'êtes pas obligés. Vous n'êtes même pas obligés d'aller là-bas. Voilà. On a bel et bien dit les militants.
Voilà. Donc, on vous dit, pardonnez. Laissez les partis politiques tranquilles. UFDG, ANA, eux, ils font pour eux. Le RPG, Arc-en-Ciel, demain aussi, ils ont l'air rassemblés. Les gens ont la nostalgie du FAMA. Ce n'est pas tout le peuple de Guinée. Mais on a dit le RPG, Arc-en-Ciel. Donc, pardonnez, Mori. Pardonnez, on veut la paix. Depuis le coup d'État, là, le RPG, là, on n'a pas perturbé à l'ordre public. Donc, on vous dit, on prend l'opinion nationale et internationale en témoin. Vous avez fait le coup d'État au RPG. Ils n'ont pas appelé à leurs militants à descendre, à perturber l'ordre public. Et c'est vous qui gérez le pays aujourd'hui. Si vous êtes incompétent, c'est nous. Vous allez dire quoi? Mais laissez le parti tranquille. Vous avez le pouvoir, gardez le pouvoir comme vous voulez. Mais laissez le parti tranquille. Vous ne pouvez pas changer l'amour que les gens ont pour le président Fakonde. Donc, Kafo Benyene, allez à Fosse CNRD Molunyene, de laisser nos gars tranquilles. Tous ceux qui vont aller demain, pour dire qu'ils vont aller pagailler demain, au siège du RPG, Walloy, Koko Kaboro, Alkalanyine. Ceux qu'ils vont payer là, que Mori Kondé, les danseurs, le CNRD de Mamadi, ils vont payer pour aller pagailler demain là-bas. Vous allez avoir chaud demain. Personne. Nous, en tout cas, nous allons prendre la communauté internationale en témoin. Voilà. Depuis le coup d'État, le parti n'a pas appelé à des soulèvements. D'ailleurs, même les leaders ont peur. Et si on dit que demain, le FAMA doit s'adresser, il a déjà fait dans le passé. Il a appelé quoi comme violence? Il a appelé des gens à descendre. Mais vous aussi, respectez-vous. Vous avez oublié que vous étiez avec nous hier. Vous étiez dans ce parti-là. Si vous êtes devenu quelqu'un pour dire que vous allez prendre le pouvoir, c'est parce qu'il y a des gens qui vous ont nommé. C'est parce qu'il y a des gens qui vous ont donné la force. Si c'est l'argent que vous avez eu, ni toi, les Albert Tosoro, mais Alte Moltoé. Et vous pensez que vous allez venir comme ça, vous allez enterrer le RPG, vous allez enterrer l'UFDG, vous allez enterrer UFR, et tout le monde va oublier la politique, et on va s'asseoir. Nous, les Guinéens, laissez la Guinée dans vos mains. Wallah, t'es qu'à faire. Alka ke fanka mina, fanka kire ou le katalbolaï. Mbara fali nyenem kout danatimi, ou le kabadjibéa. Vous avez exagéré maintenant. Et personne ne doit parler dans ce pays-là. Vous êtes tombé du ciel. Ou bien le titre foncier de la Guinée, là, ça vous appartient. Donc, nous demandons à tous les militants sympathisants du grand parti d'être au siège demain. On n'a pas dit d'agresser quelqu'un. On n'a pas dit de provoquer quelqu'un. Vous devez aller écouter. On a dit le FAMA doit parler. Les femmes doivent parler. Donc, demain, vous partez dans la paix comme d'habitude. On vous connaît pour ça. Manka taro, foy taro, djebel taro, foy taro. Allez, voilà, siège, il est là. Allez, waka, message la main. Beido, abara, abaraba. Mais depuis, je ne sais pas pourquoi les gens les ont peur du président Fakonde. Depuis qu'ils ont entendu que non, le FAMA doit parler. Pourquoi vous avez peur du président Fakonde? À la CNRD. Vous avez fait le coup d'État, vous avez trahi votre bienfaiteur. Vous avez trahi votre bienfaiteur. Vous avez fait le coup d'État. Vous avez menti au peuple de Guinée. Vous avez menti aux militants du RPG. Que non, que c'est le coup d'État de Mamadi Doumbouya et du président Fakonde. Et tu entends des escrocs. Que non, si ce n'était pas Mamadi Doumbouya, si c'était quelqu'un, et le président Fakonde, il ne serait pas en vie. Allez, s'il a 86 ans, c'est Dieu, c'est pas vous. Aloutede, aucun de vous ne s'est battu. Le président Fakonde a fait la prison ici. Autant de l'ancien raconté. Alouma Kassoké pour le parti là. Mbra fali yon kali de bon fils de l'ombaliala. Ali de bon fils de l'ombaliala. Alte maloyala. Ka alta ka fanka bla. Ka fanka ta ka dalma. Hein? Non, franchement, c'est bambin du CNRD là. Il faut rire. En tout cas, les alphaïstes, voilà, partagez la nouvelle demain. On sait que les temps sont durs. Voilà, comme c'est le RPG, si vous êtes à Matoto, sortez vite, vous allez marcher. Parce que Nakolo, actuellement là, c'est dur. C'est dur. Donc, Sini, allez-y au siège. Voilà. Donc.
fama kaka kaka nabo jumante alobra bamola alio fe fana fana kaka akana me voilà alkoko démocratie coup d'état keni mola a ma folon kere comme wo yebo il n'a jamais appelé un jour ses militants à faire de la pagaille. Non. Hein? Moi-même, je me demande le président Alpha Condé. Il... Non, du secours du mal à quoi. Hein? Non, président Alpha Condé, Sabarini. Hein? Non, le monsieur là, non, il est patient. À Sabarini, Kalakoka. Sinon, mon gré, si c'était quelqu'un d'autre à la place du Fama, du bâtisseur, ça, Djamanami, ça, Soumane Tebi, après tous leurs mensonges, dire que le président Alpha Condé a signé un deal avec le bandit Mamadi Doumbouya. Mais malgré tout ça, wallahi, Nama Fosabari Doberete, s'il n'a pas pitié des gens. Mais avec ça encore, dans ça et les autres là, vous allez, hein, vous allez envoyer des gens pour aller semer de la pagaille encore au siège du RPG. Pourtant, depuis le coup d'État, il n'y a pas eu de pagaille au siège du RPG. C'est quand les LCC ont demandé la libération, hein, la libération du Fama à l'époque, vous êtes allé encore mater les Lilka, les LCC et autres, là, et mettre d'autres en prison. Lilka a fait la prison, LCC, tous ces groupes-là, les jeunes alphaïs, ils sont tous partis en prison. Albert Obenyangoya. Mais pourquoi vous paniquez maintenant? Laissez les gens, ils vont aller. On n'a pas dit le stade du 28 septembre. On n'a pas dit, voilà, sur la voie publique. Non, c'est au siège. C'est au siège, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Ce n'est pas toute la Guinée, un de parleurs qu'ils vont mettre pour dire c'est toute la Guinée, tous les sièges du RPG. Non, c'est Agbessia seulement. Donc, Moussou Louketoye, Anna Louketoye, Abraba, Mbrafa Lounyene, et Aléatode, Danatimine Kabadjibéa, Danatimine Kabadjibéa, Danatimine Kabadjibéa, Alte Hankri Sorola. Aujourd'hui, le pays, rien ne va. Et Mbrafa Lounyene, vous ne comprenez pas. Mais quand le peuple se déchaîne, je vous jure, quand le peuple se déchaîne, c'est fini. Hein? Les Guinéens, quand le bras soutradé, c'est-à-dire le Guinéen est tellement patient, mais quand il se lève, c'est fini. Rappelez-vous, malgré que l'ancien Conté perd son âme, ils étaient là. L'armée était là. Lorsque le peuple a décidé d'aller à l'affront, l'ancien Conté, c'est là qu'il a mis le vaurien, là. L'ancien Kouyaté comme premier ministre. C'était chaud sur lui. Mbrafa Lounyene. Troyami, la souffrance qui est sur le peuple de Guinée aujourd'hui, là, vous jouez avec le feu. Mais wallah, quand ça va péter, vous allez comprendre. Mbrafa Lounyene. Denatimi. Konifitini. Ole Klakobaye. Konifitini. Ole Klakobaye. Konifitini. Ole Klakobaye. Et personne ne peut arrêter. Allez, Wamatou. Ne laissez pas les partis tranquilles. Mbrafa Lounyene. Alkokalou Kounedjani. Quand vous êtes malin, vous pouvez garder ce pouvoir-là. C'est plus fort que vous. Non, là, c'est plus fort que vous. Mbrafa Lounyene, c'est plus fort que vous. La manipulation, là, c'est juste un temps. La constitution, vous pensez que ça, cette constitution-là, vous pensez que ça, ça va rester? Je vous ai dit dès le départ, vous n'avez pas compris. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est des mises en scène. Wallahi, rien ne va rester. Non, Mbrafa Lounyene, Maltanyaïl. Cette constitution que vous êtes en train de mettre, ce n'est pas l'émanation du peuple de Guinée. Je vous ai toujours dit, le CNRD, vous êtes des perturbateurs. Non, là, cette constitution, qui? Quels sont les représentants? Quels sont les représentants? Dans ça, et un groupe de serré, de avaria, ne peut pas venir nous dire que non, ils vont mettre une constitution en place. Si vraiment vous avez le souci qu'il y ait la paix dans ce pays, c'était d'appeler tous les leaders, les grands partis, autour d'une table pour pouvoir mettre une constitution acceptée. Hier, s'il y avait le conflit, c'était entre le RPG arc-en-ciel et l'UFDG. Les autres là étaient là. Mais c'était entre deux partis. Si vous voulez exclure ces deux parties-là, pour dire que non, c'est vous qui êtes fort, c'est vous qui êtes malin, wallah, vous n'avez rien compris. Mbrafa Lounyene. Mbrafa Lounyene, même dans l'armée aujourd'hui, on dit, le président Alpha Condé et Mamadi, billoy, ni l'armée majorité, à 95%, n'allez président Alpha Condé Tanko est bon. On ne va pas tout dire. Je suis dans l'esprit des militaires guinéens. Aujourd'hui, les gens ont juste peur. Et Mamadi, c'est pourquoi il est là à désarmer, il est là à éliminer les gens pour faire peur. Mamadi, je t'ai dit, l'époque là est révolue. C'est le temps de Idi Amin Dada. Tu es un militaire pour dire tu vas faire peur aux autres. Non. Bah, qui c'est, tu ne ferais personne, Mamadi, je t'ai dit. Tu ne ferais personne. Il n'y a pas plus peureux que toi, Mamadi. Il
n'y a pas plus peureux que toi. Mara Fignan est à Niaïla. Ils t'ont raté deux fois. Wallah, la troisième fois. Altena Idi Alafeu. Non, la troisième fois, ils ne vont pas te rater. Mais Wamatou, il y a de Natimim. Présent, il faut qu'on ait fausse qu'il a. Il ne t'a rien fait. Rien du tout. À Magnadou. Tu es venu de la France. Tu étais légionnaire. Tu as eu quoi? Qu'est-ce qu'on t'a donné là-bas? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Même grade, tu n'as pas eu. Toi, tu es venu, on t'a lavé. On t'a fait monter en flèche. Allez faire une formation d'officier. Et quand tu étais dans la Légion, on ne t'a pas donné cette chance. C'est le gouvernement du président Fakonde. Les officiers, Idi Amin, ils t'ont donné cette chance. Toi, tu pars, tu reviens. Les forces spéciales ont créé. Tu n'as rien de mieux que Alia. Alia est 10 000 fois mieux que toi, formé que toi. Mais toi, on t'a préféré. Un choix. Un choix. Et toi, qu'est-ce que tu fais à la personne? Et regarde le pays aujourd'hui. Toi qui parlais de crise politique. Aujourd'hui, toi tu exclus El Hassan Oulale. Et toi tu veux parler du président Alpha Condé qu'il y avait crise politique. C'est-à-dire, ce sont ces bêtises-là qui m'énervent quand quelqu'un me parle de ce vaurien de Mamadi Doumbouya. Toi aujourd'hui, tu ne veux pas voir El Hassan Oulale. Au moins le président Alpha Condé, lui, il a empêché El Hassan Oulale de sortir de chez lui pour ne pas qu'il y ait quelque chose de grave qu'on dise que non, c'est son régime. Lui, il empêchait El Hassan Oulale. Toi, tu es venu, qu'est-ce que tu as fait de El Hassan Oulale? Sa maison. Tu rases. Que toi, tu sais construire des écoles. Sinon, à l'intérieur du pays, il y a tellement d'écoles aujourd'hui qui ont besoin d'aide aujourd'hui, mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Des écoles, un peu partout. On avait vu le guignol, Guillaume Aouid, se promener à l'intérieur du pays. Voilà, il faut qu'on ait 11 ans, telle école, telle école. Pourquoi vous n'avez pas refait ces écoles-là? Vous pensez que c'est la démagogie? C'est la démagogie qui développe un pays. Bravo, l'ignorant faussier. Vous n'avez rien compris. Allons-y seulement. Agnewama, le moment voulu, quand ça va péter, vous allez prendre votre part. Aldaï, bravo, l'ignorant. Mais Altaïaï, là. Alcoco, vous êtes intelligent. Walloy, Aditi Alburula. Déjà, vous avez compris l'économie aujourd'hui. Et vous allez continuer à prendre des dettes auprès des banques. Arrivé à un moment donné, les banques vont dire, hey, vous nous devez beaucoup maintenant, payer. Parce qu'eux aussi, ils doivent faire d'autres activités. Ils doivent faire d'autres activités. Arriver à un moment donné, ah ouais, c'est là-bas, quand les banques l'avaient dit, non, 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 on n'a rien. Maman dit, on a compris le jeu. C'est pourquoi tu as imposé des directeurs nationaux, des Guinéens. On a compris. Mais malgré tout ça, là, ça ne va pas t'aider. Ça va péter, maman dit. Fils de l'ombali, il dit, maman dit. Il faut qu'on ait encore présent, il faut qu'on ait ce coup-là. Comment faut-il? Il est là, Sababou, toi-même d'abord, les forces spéciales. Eh, Mamadi, Mbarafouyen, Nko, Hake Miko, Danka Miko, Nile Milaka, il a présent, Fakonde Sinkoro. Mbarafouyen, Nko, le secrétaire. Et tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, la Kokorong Baza, mon Vazori, n'a pas tué quelqu'un, Ibra Olatounou. Alia, qui t'a aidé, Ibra Olatounou. Namori, qui t'a aidé, Ibra Olafri, Maroc. Petit dernier, Emini, Kouyati Emini. Cabinet Traoré est mini, Souma est mini, le gars qu'on vient encore de faire disparaître encore tous les éliminer encore. Mbrafou Nyene, il te colle le kebouto. Le sac de riz, Mamadi, Malboro Sonko est duré. Celui que tu as chassé, que tu as humilié, que tu dis qu'il n'a rien fait. Le sac de riz, c'était combien? 200, 230, 240, 190. Aujourd'hui, c'est combien? 300 et quelques, Mamadi. Celui que tu dis non, il n'a rien fait pour son peuple, la misère. 14 500 personnes travaillaient, ils étaient tous payés. Et à l'époque, au temps du président Alpha Condé, à partir du 23, les fonctionnaires étaient déjà payés plus. C'est-à-dire, si ça avait retardé, c'était le 26. Tous les fonctionnaires, billetage, ils étaient payés. Parce que le monsieur, il avait pitié, il avait l'amour de son pays, il a la notion de la République. Donc, regarde aujourd'hui l'administration, Mamadi. La douane, vous êtes venu augmenter les taxes. Et malgré tout, il y a quel changement? Qu'est-ce que vous avez pu faire de mieux que le Fama? Que le bâtisseur? Bravo, Lignanen. Allez, Moltoé. Demain, c'est un grand jour pour nous. On vous a dit. Ali Prezal Fakonde. N'y a pas les aïements qu'on a. Hein? Hein? Kamé. Ala te dunia mino lomina. Anouda. Andi a konyu malon. Parce que courant, quand l'État soit petit, c'est le Fama. Réforme Chiama Ebi, c'est le Fama. Nikonakri Nyumayanibi, c'est le Fama. Danka Dentanu Yoko, Anyoti Lafri. Et alors, vous-même, quand vous faites quelque chose, vous voulez que les gens parlent de ça. Et qui a donné son appétit?
président Alpha Condé. Kaleta, président Alpha Condé. Armaria, président Alpha Condé. Les bâtiments jaunes aujourd'hui à travers le pays, le président Alpha Condé. Toutes les préfectures de la Guinée, le goudron dans les préfectures aujourd'hui, président Alpha Condé. Et que dans le cas Alou, même si c'est Sourou, Albara Lola, même Poulaye, vous construisez, vous êtes là, vous voulez qu'on parle de ça. Et vous ne voulez pas que nous, on parle de notre femme. Président Alpha Condé, même à Kamika Alouye. Ka alta, ka alouko, ka nettoyer, ka kefeye, alou fissuri l'homme balilou. Ayeda alta ma ire déjà. Ayeda force spéciale ma. Bêtre cela n'a pas force spéciale n'y La Guinée, moi c'était nan anadjamana agressé là. Dia bandike, plan préparé là. Où sont les éléments des forces spéciales aujourd'hui? Albra au koro tiembi. Force spéciale kobra ke pagaye. Non, c'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Demain, j'informe le peuple de Guinée. Demain, nous allons faire fundraising. Moi, je ne touche pas à l'argent. La famille de Monfassori, nous allons les demander s'ils ont un numéro orange. Tous ceux qui peuvent contribuer pour aider ces pauvres dames. 9 enfants, 3 femmes et avec beaucoup d'apprentis. Et comme vous avez suivi dans ma vidéo précédente, les femmes, elles ne savent pas, ça fait 2 mois maintenant, elles ne savent pas où se trouve leur mari. Et elles ont tout expliqué. C'est lamentable. Elles ont presque tout vendu. Donc, demain, comme je vous l'ai dit, moi je ne touche à rien. Le numéro de la dame, je vais demander. Si elle a Orange Money, je vais demander les gens. S'il y a Orange Money là-dessus, d'abord je vais commencer par moi-même demain, en le faisant. Tous ceux qui peuvent envoyer Orange Money. Tu sais, maintenant, aux États-Unis, on peut envoyer maintenant Orange, voilà, l'argent sur les comptes des gens. Donc, demain, je vais commencer par le général lui-même d'abord. Je vais vous montrer pour moi. Vous n'envoyez pas au général, mais sur le numéro. Voilà. Non, Mohamed Chérif, c'est pourquoi je vais demander. Parce que Orange Money, quand tu envoies, il faut... Moi, je ne connais pas le nom. Sinon, j'allais faire pour moi tout de suite. Là. Je peux mettre le numéro. Mais tu sais, ici, en envoyant, il faut mettre le nom, le numéro et tu envoies. Donc, la nuit, là, je vais chercher. Demain, nous allons le faire. Moi, je ne vais pas chercher à savoir combien elle a reçu. Mais pour aider ces pauvres dames. Elles sont 3. Elles ont des enfants. Et voilà, moi je vous ai dit, moi je ne suis pas un adepte de Monfassori. Vous me connaissez tous, vous avez suivi. Je ne suis pas fan de Monfassori, je vous ai dit. Moi je ne suis pas fan de Monfassori. Mais ces femmes-là, ce sont des Guinéennes. Et elles ont des enfants, elles font pitié. Et nous venons en aide à cause de ces femmes. Moi je ne viens pas à cause de Monfassori. Je dis à qui veut l'entendre. Je ne suis pas un fan de Monfassori. Je ne suis pas un adepte de Monfassori. Moi je suis, j'ai vraiment pitié. Quand j'ai vu la vidéo de ces pauvres dames, là vraiment, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Voilà. Boubaka Diagissa, non, demain, on va le faire. Le numéro, ça est sur la page. Mais je veux savoir si c'est Orange Money. Et moi-même, je vais demander le nom sur le compte Orange Money. Et comme ça, nous pourrons le faire demain. Je vais faire une vidéo spéciale. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas à moi que vous allez envoyer. Toi, tu tiens là, au Koroyande. Moi-même, je vais d'abord envoyer pour moi demain. Et je vais encourager les autres à le faire. Demain, aucun blogueur ne viendra dire « Hey Damaro, il a fait colère. » Non, non, non. Toi, tu n'as tiens au Royande. N'est-ce qu'un que ton temps là, voilà, les béaïs. Moi, je vais mon façon de Moussoulouma demain. Sini, ndi à vidéo que ça, on dit que Moussoulouma demain. Moussou Saba, d'un conondo, apprenti lui, al donné mi fanaye, j'ai dit là, troya yal koka Moussoulou Barakouma, kanyaji benyakabi. Depuis, je suis en train de travailler, je ne fais que penser au cas de ces femmes-là. La situation, c'est-à-dire, une famille où vous avez des enfants, ça fait pitié. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, toi la mère des enfants, les enfants c'est des innocents. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Non, ça fait pitié. D'autres préfèrent la mort, quoi. C'est-à-dire, tu n'as pas d'espoir. Et ces femmes-là dépendaient de Monfassori. Malgré, ils se débrouillent. Pas 1000 moyens, mais il envoyait, il était capable de prendre sa famille en charge. Mais aujourd'hui, on l'a fait disparaître. Et pourtant, ce qu'il a dit, il n'a pas tué, il n'a jamais dit atteinte à la sûreté de l'État. Rien. Il a dit, il a rêvé. Matouré avait dit ici que le président allait venir, il avait décrit Mamadi. Mais comme ça les arrangeait, sinon rien.
Donc, franchement, demain, préparez-vous. Nous allons faire au moins un petit geste pour la famille de Moffa Sory. Comme je vous ai dit, je ne suis pas, en tout cas, un adepte de Moffa Sory. Si c'est Moffa Sory seul, je ne le ferai jamais. Je ne parlerai même pas. Mais pour ces femmes, je le ferai demain, Inch'Allah. Donc, rendez-vous demain pour aider ces femmes-là. Et en plus, pour les militants sympathisants du Grand Parti, comme vous l'avez appris, le FAMA doit s'adresser voilà, aux militants et sympathisants demain, tous au siège, tous ceux qui peuvent se déplacer demain pour aller au siège, voilà, vous devez partir. Seulement, la seule inquiétude, nous avons appris que oui, ceux qui sont amis avec Doumbouya vont envoyer des gens pour aller pagailler au siège. Et nous prenons le peuple de Guinée en témoin. Nous prenons le peuple de Guinée en témoin. Depuis le coup d'État, le RPG n'a jamais appelé ici à pagailler ou à faire quoi que ce soit. Donc, nous prenons l'opinion nationale et internationale en témoin. Tout ce qui arrivera demain au siège, les responsables, c'est Mamadi Doumbouya. L'autre, Mori Kondé et Dansa Kourouma. Voici les trois responsables de ce qui va arriver demain. Les gens vont juste, comme d'habitude, à l'Ouattara, l'Assemblée, elle est là, qui conseille. Mais je vous ai dit, le problème de Mamadi et le CNRD, ils ne veulent pas qu'on parle des autres, ni de Selou Dalé. C'est pourquoi il faut empêcher Ella Selou Dalé de rentrer la popularité. Ils sont allergiques, ils veulent qu'on parle d'eux. Je vous ai dit, c'est impossible. C'est impossible. L'UFDG n'abandonnera jamais Ella Selou Dalé. L'UFDG, Anad, ils ne vont jamais l'abandonner. Et c'est pareil. Nous n'allons jamais abandonner nos leaders aussi. C'est pareil pour l'UFR. Ils ne vont jamais abandonner Sidy Touré. C'est à vous de vous comporter bien. Vous vous comportez bien envers ces leaders-là. Le peuple se comporte bien ou les militants de ces partis-là se comporteront bien envers vous. Mais si vous n'avez pas compris la leçon-là, vous n'êtes pas des partis politiques. Vous n'avez pas de parti politique. Attendez, je vais bloquer ce maudit-là. Sangaré Lassaraka Doya. Voilà, il est banni sur cette page. Bravo à l'Union. Les gens vont regarder toujours le général. Allez-y regarder la RTG. Voilà. Allez-y regarder la RTG. Mouloudina Kadamaro Mafene. Quand je finis, Mouloudou, ils vont chercher. Bravo le Falunyane. N'kone doma lana djamako kadote bolala. N'doma mouamounyane. N'doma lako kadote bolala. Donc vous vous fatiguez. Vous qui venez ici là, vous souffrez. Yaya Conte, merci mon frère. Jawara Baka, merci à tout le monde. Donc, tous les alphaïstes, partagez la nouvelle pour que les gens se mobilisent demain au siège du parti, du grand parti. Voilà. Et pour aller écouter le message du FAMA. Voilà. Donc, Mori, Dansa, Mamadi Doumbouya, Ambra Falignan, Kali Kolka Hankirila, Malta Sorala, quoi. Alali, Mangbeyala, le Watibe, quoi. Danatimi, Amaïde. Danatime ma imbara falinyene maltanya ila. Ni hankri tralla. Naltuka prezal fakonde kabouyen. Walloy. Salye diya minobi salte. Naltuka seludale bouyen. Salye diya minobi salte. Naltuka sidiya bouyen. Salye diya minobi salte bi. Sa alduma jamana kono dembenye. Maluko kalye molukere. Ceux qui sont déjà implantés. Vous ne pouvez pas changer la donne chez Ella Selou Dalé. Vous ne pouvez pas changer la donne chez le RPG. Ni chez UFR. Mais si vous étiez intelligent. Si vous aviez respecté ces leaders-là, wallahi, ça les dire. Mais comme Alko Kalia avec Kafala, Abrafalum n'a pas, vous allez comprendre que comment on t'alco. Et criole, vous passez devant les marchés, les gens vont vous regarder, c'est tout. Sinon, bi, les Guinéens aujourd'hui, la Molbaratoro. Mohamed Sogoboli Bangoura, merci à vous. Mohamed Sherif, Ali Bangoura, merci à vous. La Ibrahim Nabe, merci à vous. Merci à Sayon. Nyalia Kondé, voilà. Moussa Kamara, merci à vous, on est ensemble. Merci à Lorraine Abba, voilà. Djawara Abaka, Kaba Mouramani, merci à vous. Merci à Adjabo Boba, merci à Taïbou Diallo, voilà. Le combat continue, on est ensemble. Ma soeur Fanny, tous ceux qui prient pour nous, on vous dit merci. Tous ceux qui nous suivent ne commandent pas. Voilà, et qui continue à prier pour nous. Voilà, je vous dis merci.
Nous savions qu'il y a toujours des bonnes personnes. Ils ont, voilà, pour ne pas dire qu'ils ont peur, mais ne veulent pas juste s'afficher dans nos directs. Et matin, midi, soir, ils nous regardent. Nous vous disons merci. Mohamed Chérif, merci à vous. Merci à Bakasso Djangissa, merci à vous. Ferimba Massaré, merci à vous. Abdelkadir Diallo, merci à vous. Merci à Gbadé Touré, merci à vous. Merci à Tipe Chic, merci. Aïcha Son, merci à vous. Merci à Mamadi Sissé. Alassane Diallo, merci. Non, pour le truc de mon foisserie, ça va être ma première vidéo. Vous savez, moi, je ne donne pas d'heure. Quand je donne l'heure, ils vont signaler mes vidéos. C'est pourquoi moi, mes vidéos, c'est spontané. C'est quand je vais finir bientôt, la fin de ce mois, avec ma télé, ma Guinée 224. Et comme ça, je vais donner l'heure. Là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à signaler. Et là, je vais certifier la page. Traoré Dougous, merci à vous. Merci à Tidjane Barry. Merci à Bakary Yugos Traoré. Voilà. Ibrahima Bintou Diallo, merci. Mohamed Kamara, Lai Kamara. Alassane Kazita, merci à vous. Merci à Jimo Sako. Bali, merci à vous. Mouktaba, merci à vous. Siliki BFB Kamara. Lancy Condé, merci à vous. Vous êtes nombreux, je ne peux pas lire tout. Mais on est ensemble, le combat continue. Bonne soirée. Ba Alassane, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde.